سمحتي كان السنة 17 دي فبراير كنا بدنا نخدم سمحتينا 20 فبراير سبق اسمي بدا فبراير 80 رسا نكوني مكل ثلويث انفكي سفرن يلا سقواس اما يثمورت اما تقويدي لان يثمورتي فرانيين نخدم السزار نسمكتي ثيد ولكن نسمكتي راس الفرح نسمكتي ثيد سلقرح سويني غيظرا سويني دي ظراني ذنا نروح نفد زاث راديو كندا نشجع السن تيفراثين لزيمايل وقفل السن سوى تصبو السن فكرة النظام ما كان يغزل فن تسعة أوت تلميذ للسازنة دي سات أوت نروح على غرصن نخدم دينا ثم ديث الحزن في فينابر أرسا قوسان أمزوناك نور ضرين أمزوناك نور تسنين أمزوناك نور غدوالين هذا لازال في السنة خاطر نكونوا نسعر حاسم سعود ونسعر حاسم رمال ونسعر دي مليون دو كيلومتر كاري دو ريشيس أبارتاجي السين تساون سوفر عند نوثني راديو كندا ومالا ديني غساقي أول الميساج إن فغسن السعدي شوي كاسن تدني نيست غريزي تاسن تدني نيست فرانسيست سوفر عند أين إد سوفرون إد سوفرون والغوين إد زيريين لا بي أس لا بي أس نزراوك أين إد سوفر لا بي أس شوي كاون دنف كل شيء ما عميك أدي سوفر لا Le ministère de la Défense de l'armée algérienne a dit un communiqué. L'APS algérienne a dit on va dire l'AFPIN français. On va dire Radio-Canada francophone, les médias qui sont sur la France. La France est la France officielle. Mais elle est comme pays colonialiste. Donc, on s'est vivé dans les dom-toms, on s'est vivé l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, et on s'est vivé dans 12 églises en France. Donc, France, c'est un ministre qui a été en train de se faire, alors qu'on s'est vivé dans les carnes de chèvres sur France. Et les pays francophones, on s'est vivé une partie du Canada, et on s'est vivé dans le pays de l'Algérie. On va, nous connaissons, nous sommes vivés السنين يثمر في كندا وإلى قرأت قنضي الزريم تسوفوغض الكذب تسوفغاني الزيريين وعرفني تفن تمر في الزيري دونك أيث مثلا في استماثين يفدي يبساقي إلى قطن الزر ذيقي من ميساجنا يبور كل بيه دو كندا راديو كندا كل ميديا كنديين أزرن بليك ربرودوير دي مونسونج ربرودوير دي أكوزاسيون مونسونجير est déjà un acte criminel en soi. Nous connaissons ce qui nous est arrivé, et nous avons fait symboliquement, nous avons Nous connaissons l'objectif. Et si nous avons un message à Radio-Canada et tous les médias nord-américains à Canadiens, reproduire les mensonges et de se faire l'Algérie et de se faire l'AFPIN français est un acte criminel. On dit, merci. هذا اللي تشيل هذه انت بريز دو بارول اسف كان والي مثلا كريم الشاب غادي يفك والي شو ما نطاق ديسك لي ديكلاراسيون غادي يفهم لي شي ما يقف في نص ساعه ساقي ثاني مره نقول في لا بوينت اللي ذني اظن ثاني مره في ميد دوسام سنت ما يجي بوسا دقي الى قد نهضر شويه فرونسي شويه انجليزي في وكان تفهم نقول لي تعدينا نقول لي بغانا نظرنا شو معنا تمثال تيغيا انا نكوني سي قبايلين ذي مزوله اكن قاس قبايليث ثقيل تجبات لو مينيستير الجيريان دو لا ديفونس ريديج ان كومونيكي تو الموند سي كو لارمي الجيريان ابارتيان ان ريجيم ديكتاتوريال اي ميتنون كون كاليفي دو كولونيال ان كابيلي باسكو Le contrat politique et social avec la Kabylie a été rompu. Et nous leur avons rappelé que la Kabylie avait été indépendante jusqu'à 1857, date de son annexion à l'Algérie par la France. Ensuite, les Kabyles avaient cru pouvoir
libérer l'Algérie et fonder un pays basé sur les droits, et ces Kabila ont été trahis. En 1962, il y a eu un coup d'État, et toutes les espérances et les espoirs liés aux droits linguistiques, culturels, identitaires, ont été enterrés, et on a quand même cheminé avec des assassinats politiques de la part du régime algérien par-ci, par-là. On a cheminé quand même un demi-siècle. En 2001, les gendarmes algériens ont tué 128 jeunes et mutilé à vie d'autres centaines qui sont encore avec des séquelles aujourd'hui, sans parler des séquelles psychologiques. À partir de là, les Kabyles ont pris la décision que le contrat social et politique avec l'Algérie a été rompu. Et nous avons commencé à réclamer notre droit, premièrement à l'autonomie. Le débat a eu lieu, il a été transformé en requête, demande des Kabyles à leur droit à l'autodétermination. Quelques années plus tard, le régime algérien étant aux abois, il n'a rien trouvé de mieux que de cuisiner un plan appelé « zéro Kabyle ». C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez pris la décision politique de vous émanciper, eh bien, on va vous détruire, on va détruire la Kabylie. Ils ont mis le feu à la Kabylie. Comme vous savez, il y a eu plus de 250 morts, et il en meurt encore tous les jours, sans compter des blessés, des séquelles psychologiques et toute la psychose qui s'abat sur la Kabylie, plus les dégâts matériels en Kabylie. Donc leur objectif, c'est clair, c'est de chasser, c'est de déstructurer la société kabyle. Ils veulent chasser les Kabyles des villages de Kabylie pour qu'ils fondent dans les villes arabisées, et comme ça, on n'en reparlera plus. Sauf que c'est trop tard, parce que nous en prenons conscience, et dans la diaspora, nous nous donnons comme rôle et responsabilité d'alerter tous les États et toutes les organisations internationales. C'est la raison pour laquelle on est ici, pour alerter Radio-Canada, mais aussi pour nous plaindre auprès de Radio-Canada. Je reviens au schéma. Donc le ministre algérien de la Défense rédige un communiqué, il le donne à l'agence Presse Service, l'agence algérienne, Algérie Presse Service. Le rôle d'une agence, c'est de collecter des articles qui parlent des événements, graves ou moins graves, petits ou grands, et les mettre à la disposition des médias dans le monde entier. Sauf que l'APS n'a rien à mettre à la disposition des médias du monde entier. C'est déjà une dictature, c'est une presse et les médias au téléphone, comme la justice au téléphone. Le ministre de la Défense a rédigé un communiqué en qualifiant le MAC d'organisation terroriste. Et dernièrement, d'abord je continue avec le schéma. Ensuite, l'APS envoie ça à l'AFP. Pourquoi ? Parce que l'APS n'a aucune crédibilité. Il n'y a personne au monde qui va reprendre une dépêche de l'APS, Algérie Presse Service. Ce qui fait que ils ont trouvé une astuce, ils envoient ça à l'AFP, qui est l'agence France Presse. Et l'agence France Presse, ils ont bien sûr, ils ont des journalistes collaborateurs qui reçoivent bien sûr en sous-main des récompenses pour le travail, pour le service rendu. Et ces journalistes collaborateurs essayent d'influencer les autres médias pour qu'ils reprennent la dépêche sous couvert de l'AFP. Mais en réalité, c'est une dépêche APS, Algérie Presse Service, laquelle dépêche est en réalité un communiqué du ministère de la Défense. Donc vous voyez la magouille. Vous avez
l'armée algérienne qui fait un communiqué. Il donne Algérie Presse Service, qui l'envoie à l'agence France Presse, et l'agence France Presse utilise, abuse de sa crédibilité pour induire en erreur les médias du monde entier. Premièrement, les médias en France, avec la complicité de certains journalistes, les médias au Canada et les médias ailleurs dans le monde entier. Donc nous avons, je vais juste vous lire un extrait de cette dépêche qui en réalité est un communiqué du ministère algérien de la Défense. En substance, la dépêche en question dit que la police algérienne a attrapé un groupe de séparatistes avec des armes et du matériel militaire. Quand on diffuse ça en Algérie, personne ne peut le croire, parce que nous savons. Et encore en France, il y en a qui savent. Mais au Canada, les gens ne savent pas. Quand on leur dit un groupe séparatiste a été, quand on leur dit que la police algérienne a attrapé un groupe appartenant à une organisation séparatiste avec des armes et du matériel militaire, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Ils vont croire que la police algérienne est une police aux ordres d'un régime respectueux des lois et des droits humains, et ils ont donc attrapé des terroristes. Voilà ce que les Canadiens vont comprendre. Et on sait que Radio-Canada est une agence qui appartient à l'État. Donc, elle est payée, rémunérée par l'argent du contribuable. Radio-Canada n'a pas le droit de diffuser ce genre de mensonges pour réduire la formule, il diffuse directement les communiqués de l'armée algérienne de la défense. Voilà. Donc Radio-Canada diffuse les communiqués de l'armée algérienne sous forme de dépêches d'agences de presse. C'est très grave. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Bien sûr, on n'est pas resté inactif ou passif. Nous avons envoyé un droit de réponse. Au Canada, il n'y a pas de droit de réponse. Néanmoins, nous avons espéré qu'on publie quand même notre version des faits. Je vais vous lire un extrait de cette lettre. Alors, suite à la reprise de la dépêche de l'AFP intitulée « La police algérienne arrête 27 membres présumés d'un groupe séparatiste » sur votre site en date du 6 septembre, notamment le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, je vous prie de bien vouloir publier notre présente réponse en tant que réponse officielle de la coordination régionale Amérique du Nord. Signalons d'emblée à vos lecteurs que la dépêche en question, reprise par Radio-Canada, est elle-même une reprise d'une dépêche de l'agence Algérie Presse Service, qui est plus une officine de propagande de l'armée algérienne et son régime qu'une agence de presse. Vu ainsi, la dépêche de l'AFP n'est rien de plus qu'un communiqué du ministre algérien de la Défense présenté sous forme d'article informatif pour leurrer les lecteurs, ce qui constitue une dérive gravissime au service de la dictature algérienne. Il convient peut-être rappeler aux lecteurs que l'armée algérienne a un pouvoir sur le président non élu et les députés non élus, et suite à deux simulacres d'élections. Donc je ne vais pas vous lire tous les détails dans la dépêche. On l'a fait parvenir au rédacteur en chef donc du site de Radio-Canada, qui pour l'instant a préféré l'ignorer. Et nous avons ensuite fait parvenir une lettre de protestation à l'Ombudsman de Radio-Canada. Nous avons accusé réception de cette plainte
auprès de l'Ombudsman de Radio-Canada et on nous a promis donc de nous revenir là-dessus. Aujourd'hui, on est venu pour montrer que les victimes de votre article, de l'article de Radio-Canada, puisqu'il a été repris par Radio-Canada, ne sont pas des fantômes. Ce sont des personnes qui existent, nous sommes ici. Et que le mouvement pour l'autodétermination n'est pas un mouvement terroriste, puisque nous vivons au Canada et ouvertement, on se réclame de ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et que aussi bien la police canadienne que l'État canadien de façon générale savent très bien que ce mouvement n'a rien de terroriste. S'il y a un mouvement terroriste, c'est l'État algérien. L'État algérien est d'essence terroriste. Le nombre de victimes d'opposants politiques ne se compte plus. Le nombre de manipulations ou de victimes de leurs manipulations ne se compte plus. Le nombre de présidents imposés sans élection et les députés, le nombre d'élections passées sans qu'il y ait de vote réel ne se compte plus. Donc s'il y a un État, une organisation terroriste, c'est l'État algérien. J'assume ce que je dis, l'État algérien est un État terroriste. The Algerian state is a terrorist state. The Algerian government is a terrorist government. The Algerian regime is a terrorist regime. The Algerian army, not all the militaries, at least those who give orders, most of them are terrorists. They burned Kabylia with the intention to kill off the citizens, or at least to chase them from the region which is called Kabylia, and which we want to become a country of itself. Je vais redire un résumé en anglais, juste pour permettre à ceux qui ne comprennent pas le français de comprendre. So we are here in front of this building that belongs to Radio Canada in order to denounce a new manipulation which consists of publishing articles which come directly from the Algerian army under cover that these articles were sent by press agencies such as Algerian Press or Agence France Presse. So the manipulation is as follows. The Algerian army writes a communique saying that they have captured members of the terrorist movement. We belong to this movement as we are here. And Canada, Canadian state knows that this movement is not a terrorist movement, otherwise would have been put in jail long time ago. So the Algerian army sends the communique, its own communique, to Algérie Press Service, which is a press agency that nobody in the world believes. However, Algérie Press Service sends or forwards the Algerian army's communique to l'Agence France Presse, which has more credibility than the Algerian press agency. And unfortunately, it works, because Agence France Presse sends away those communiqués to the media worldwide, and especially to the Francophone media in Canada. And Radio-Canada has published one where our organization was depicted as a terrorist one without even checking the information that was included inside. So, because this is the beginning of this manipulation, and we are here to act, to alarm Radio Canada not to trust those articles that come from Agence France Presse, which are just a duplicate of
Algerian press agency, and which are the communiques from the Algerian army. So the manipulation is very clear. The Algerian army writes a communique in order to discredit, in order to depict the organization as a terrorist. They send it to the Algerian agency. The Algerian press agency sends it to the French press agency, and Radio-Canada takes them for granted without checking the facts. So this is the reason why we are here today. Thank you very much. إن تيد كريم أزدلسة أكنا أن فهموك أشو نصرا أين دي تسفغني الزائرة دي تسفغن الارمي الارمي أسد فكي إلا بي أس نا لاجونس نين لزنفورماسيون تين أسد فكي تين لاف بين نين فرنسا تين لاف بين فرنسا أتزوزريت أن دلنتوك ثمورا يتسوثلين ست فرنسيس إيجدوي ذاك يستني كي ساغروم اكن ستنسى ساغروم كي ذا ساينيز دناني الجزائر يتي ذا سي سمح كلام جبان فيرسي ان بو لي شوز ان كيني تواري تا هاد فرنسا اللي تاكن لي زانستركسيون لي زانستركسيون اللي تسدى مثل تا الجزائر ابري سا واد سنتي دير بني سودا تاكي تسيري كيران انا كني اين الا نيت مورا تي فرانيين نزرا تاكويت وين يسعى دوال اثيدي كمل الكواهي لقينا وي دي ساعدنا كي تسري وين دي كيستيون هذه لو شنو زمرد نسفهم بوي غير انا هذه نسفهم ما موناش انا غير نزيف ادنارث اخران تو غاشني غير سرغاين ولا وننا فويني تسبي بيث مول تقبيلي سدو ثم هرسا ثم مول ان الجزائر يطفن وارا بنيك دي فرنسي سن يجري فاس ننسن ثاني ميرث نون دارن يونس اليان اقلق اثيدني نياساقير C'est un rassemblement, bien sûr, pour dénoncer les crimes du régime colonial dictatorial algérien à travers les feux de forêt qui sont d'origine criminelle, allumés par soit des drones, soit avec des substances lancées à partir des hélicoptères, mais aussi pour rappeler le quatrième anniversaire du dépôt du mémorandum aux Nations Unies. فم سلتاجي الميموراندوم ماشي لهنا ديال وين كان سكوسير زكا ديون قدنا ديون بس اش تاجي كون خدم في الزازاي شوتر زداف الزول فلون الزول فلكونت بونجور ا توت اي ا توس Je reprends les phrases de Mas Achab telles qu'elles sont. Le pouvoir algérien, et je pèse bien mes mots, est un pouvoir terroriste. Les généraux algériens sont des généraux terroristes. Le régime algérien est un régime terroriste. Donc, on ne peut en aucun cas considérer le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie un mouvement terroriste. Parce que c'est un mouvement qui lutte pacifiquement. Parce que c'est un mouvement qui lutte avec les idées. Nous, nous avons des militants politiques. Eux, ils ont des services de l'armée, de la gendarmerie et de la police. Eux, ils ont des armes. Ils ont toutes sortes d'armes. Et nous, nous avons des idées. Donc aujourd'hui, si on va se poser la question, est-ce que la boîte noire qui a dirigé l'Algérie, après son indépendance depuis la nuit des temps, aujourd'hui, est-ce qu'on la trouve derrière les barreaux? Non. C'est des militants sages qu'on trouve derrière les barreaux. Si on se pose la question, combien de militants kabyles qui luttent pour un Dawa, qui est bel et bien le référendum pour l'indépendance de la Kabylie, combien de militants qui sont en prison depuis comme 2 ans en ce moment? Nous ne pouvons pas oublier Loulès Hamzi. Nous ne pouvons pas oublier Jamal Azayem. Nous ne pouvons pas oublier tous ces militants qui sont dans les prisons algériennes et pourtant ils n'ont rien fait de mal. Ils ont uniquement exprimé leurs idées, leur engagement, leur amour pour leur patrie qui est bel et bien la Kabylie.
Donc aujourd'hui, si je peux adresser un message au Radio-Canada en tant que jeune étudiant étranger qui habite ici, je leur pose la question. C'est quoi ce paradoxe? Parce que ça, j'ai posé une question à un collègue de travail qui est bel et bien québécoise. Je lui dis clairement, si, déjà elle existe, hein, si toi, comme une québécoise, tu vas lutter pour un droit constitutionnel qui est bel et bien le référendum pour l'indépendance de Québec, est-ce que cet acte sera considéré comme du terrorisme? Il m'a dit clairement, mais ben non, la constitution canadienne me donne totalement le droit de lutter, de m'exprimer, de dire ce que je pense haut et fort. Par contre, chez nous, en Kabylie, dans nos propres terres, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas s'exprimer, nous ne pouvons pas dire ce qu'on pense. Donc, beaucoup, peut-être, qui ne savent pas que le MAC ne lutte pas uniquement pour un référendum pour le droit à l'autodétermination. Le MAC, il lutte pour un État de droit laïque et indépendant. Qui veut dire un État qui donne à un être humain le droit de penser? Chez nous, ils veulent nous enlever le droit de réfléchir, le droit même de penser, pas de faire des actes. Donc, ça c'est un paradoxe. Dans les pays développés, ils donnent le droit à leur population de s'exprimer comme ils veulent, clair et net et bien précis. Contrairement à ce régime algérien colonial en Kabylie qui essaye chaque jour de nous arrêter. Mais nous, on va leur répondre clairement. Malgré toutes ces magouilles, malgré toutes vos manœuvres machiavéliques, vous n'arriverez jamais à nous faire arrêter. Parce que nous sommes des militants, nous sommes un mouvement vraiment engagé, parce que on le sait très bien que nous avons raison. Aujourd'hui, en Kabylie, l'Algérie coloniale a mis le feu. L'Algérie coloniale en Kabylie a mis le feu. L'Algérie coloniale en Kabylie a assassiné. Ils ne sont pas des morts. Ce n'est pas juste des victimes. C'est l'Algérie coloniale, et je pèse bien mes mots, qui les a assassinés. La dernière fois, dans un rassemblement, j'ai fait un petit calcul où j'ai dit, chaque 20 ans, chaque génération, il y a un génocide qui se prépare contre la Kabylie. Ça commence depuis la nuit des temps, mais moi, de ce que je me souviens, le 80, après 20 ans, en 2001, c'est exactement 20 ans, après 20 ans encore, en 2021, ils ont massacré la Kabylie. Donc, si on peut considérer une organisation comme terroriste, nous ne pouvons uniquement considérer le régime algérien qui est un régime terroriste. Par contre, si j'aurais cette chance de m'exprimer et de m'adresser à mes frères kabyles, qui appartient à toute partie politique, à toute tendance politique, vous devez le savoir que le pouvoir algérien colonial ne fait pas de distinction entre un souverainiste kabyle qui lutte pour une Kabylie libre et indépendante ou bien pour un droit à l'autodétermination. Il ne fait pas de distinction avec un militant qui lutte pour l'autonomie de la Kabylie et même un kabyle qui lutte pour une Algérie plurielle. Vous êtes kabyle, vous serez toujours l'ennemi de cette boîte noire. Donc, cette chance, cette tribune d'expression que le Canada m'a permis de parler, parce que chez moi, je ne peux pas prendre la parole. Sur ma terre, je ne peux pas parler. Sur ma terre, je n'ai même pas le droit de penser et de dire ce que je veux, et de dire haut et fort ce que je pense. Mais le Canada m'a permis de le faire. Donc je m'adresse à vous, cher Kabyle, quelle que soit ta tendance politique, quelle que soit ta croyance, tu seras toujours un Kabyle. Moi, personnellement, j'ai une seule idéologie, c'est ma Kabylie. Donc, nous devons être tes frères pour qu'on puisse avancer. Sinon, je reprends aussi une phrase d'un grand militant, si on continue avec ce rythme, il ne restera aucun Kabyle libre. Actuellement, en Kabylie, on ne peut pas circuler comme il faut, comme on veut. À l'Arvanavie FM, par exemple, des militants sont arrêtés chaque jour. Donc ici, la diaspora, les Kabyles, vous devez, il est de votre devoir,
de participer à ce genre de rassemblement. Il est de votre devoir de donner une parole pour vos frères qui se battent quotidiennement contre ce régime colonial en Kabylie. Sinon, il y aura pire à l'avenir. Merci à vous toutes et tous. Et si j'ai tort, je m'excuse encore une fois. ولكن إذا عزيت فيه ولكن إذا غيريت فيه ولكن وين كادين ومذان كما زد لا جي اس كا تيكوال تروحون إمزيانين تروحون إمغارن كاتنا فوز سيبورتين تسارية غد فارواث وسند بوينس محسوب ثقي أقلا 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 كن دوي ضرنا أين غيه ونث نخدم نسعشي توح لي بروغرام سكولير تمزيغ صغارا نسيت مول تقبلت كان انا قرن نفرت واقي تيمورا نظن كوكينا صغارا تمازيغ خاصك ستوفرا ما ثني حرز الحال قرن كون ياك دي مازيغ انا كن لا اسكواسي كي كسن سي لي بروغرام سكولير سي ولاش نيغ لا بروفوكاسيون اكوا نيغ واقي وري لا لو كي دوني لا نسد الشمالة او بروغرام سكولير مثل تنشرو المسوا تاسي المودي موثن المطاس اذا منك تيز يمطاون سيدي يوزلون اسكواسي كي كسنس اكن نودن انطيق على ارنا نكسن اجي اسكا شو مازال ارنا نكسن ثورا ايات مثلا في ستماثين مود نكيرا ريت ولاتين امثيقي مازال اقوارد كان وفريد نن نكيرف اوين لان مزيان ذاك وين ويدي كوي لان مزيان نجي اسكا هدس النهار ذاك يكون ويكزر انا مكيت الحوج جي اسكا ام كي غتسكسن ام كي اذا انا غديري بلينا كي نغتسكسن تنمير نون تنمير ثامة رجلك في الاول وتمسلي غير في جهاز كاب اتقيم كان فينان اغدي بنا ارداقيني سي لا سونسيبيليزي لي ميديا سورتو راديو كندا سور سو كي سباس ريالمون ان كابيلي اي بي سور سو كي فريمون لو موفمون بور l'autodétermination de la Kabylie. Je dirais juste en trois phrases, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie appelle à la justice en Kabylie. Justice for Kabylia. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie appelle pour la paix en Kabylie. Peace in Kabylia. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie appelle à la liberté en Kabylie. Appelle à la Kabylie libre et indépendance. Freedom for Kabylia. Donc j'ai justice for Kabylia. Peace for Kabylia and freedom for Kabylia. J'espère que les lignes de slogans de Newev, paix, justice et liberté pour la Kabylie. Afin de vous dire, et Radio Canada qui est bien maintenant, car il m'a acheté de l'autre Noël, nous serons au sein de Newev, 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 ثلاثة لي برانسيبا كينيا نساء في مرتق ويلي اترافير موسو بوفرانيمنت مرتق ويلي سي لا بي لا جوستيس اي كوفا ليبرتي اولي ورده في المرثنون في الاول اقلا غاسكي ذاك هو طوال نوحد اكن ثم جواروث انيني يا راديو كندا لو كذ لي ميديا ادكاف شي وضن اول انتيذتش وتقارن ران اكديفن دي تشجع على بيس انت مرت تجاريت ذكر لك اللي غنى دنا مسلاي اللي انتي كيف افوش مكثير اشكو سويس اربعة من سرس امكثي لو ميموراندوم او باري دو لونيو يمكن ان سوثر لو دروا لوتو ديتيرميناسيون بريسيزيمون كي نشكي اي لا كوميسيون تو تموران كي تنادينا ذا وين تي مون تنسن اكا اساكينا ثاني لا نوتر اسومبلومون نيويورك كيف كيف كنا شي ولا ندير انت ايوا سميكتيان الكاتريام لا كاتريام انيفيرسير بور لو دروا لو ديتيرميناسيون ديبو دو ميموراندوم هذه اللي وايض انت كاسكاري واشنطن هذه اللي وايض لو 28 le jour même de l'anniversaire à Genève sur la cour des droits de l'homme de l'ONU. Donc à Thayou Moussoum, elle est khaddam, il communique, puis nous avons tous la même déclaration à Redgaron, à Genève, à Washington, à New York.
لكن كان دنيني بلي موسو مثلا يقدش يستخدم تسرتيث يستخدم تو لي لوفي كلاق دون لو دون لو كومبا باسيفيك نسوالي الغاشي لكن ادر ثغرين سكول ثغرين سوالا يسفان ماتشي سس لي زيموسيون ماتشي ستيكودين لو كومبا اي لي لون سي لا تيوري دي بيتي با انو حي وسي وث مي اون فو الى قا نشعوث نشعوث لا كونفيونس اي الكومبا كينا نسدو انت نادي لابي بي لابي نكوني نومينيس بلي نضروح المان نخدميت داخل تليساننا اون فوا نخدم لابي تليساننا يمير نزمر تنشوف غندعني ضف دونك كان زويرا نسي ولكن هذا السوق سيمان نغ دابور اثباخي خينا كيكلاني اللي اثباخي حتى كيكلانا كاكيا تيمير نزمر نشوال دويا سي بور سا تي غارين تي غارين اك موسوم فراني مان تي غارين ان الماك الي بور سوتينير لو دروا لوتو ديتيرميناسيون لو دروا ليبرتي peuple kabib le droit de s'exprimer vra kanadinina asnini w w rfaq bayri w gizaq bayla dinir eh hna khatem esk vra tchili mdil liya mblati gudin mblash winat dans le blond des yeux msli nrachir atin dinin akin sini anwali le projet azal doni 3 azal la géopolitique elle est compliquée puis le monde les défis dis don sont des défis sérieux donc il a cherche vraiment la nran khzar tharzat اني حفظت كويني لان الفير كويني عدنا الفير شقولي اسفانا كورنت مسلايا افيك تو لي بوبل تو لي تو لي الجيريان تو لي زوتر بوبل شقولي اسفان ارس نسيول بارابور او 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 بروجي كينا بارابور او او كومبا كينا تان مرتن فريدا فوالا جو جو دي بوين افيكينيان دونك تاواري تاكي ديغلين اف تمرتنا تمر تقبايلي دونك نوحد سبيسيالمون سي بور سونسيبيليزي لي ميديا لور Les médias de Guinée, le siège du Radio-Canada. Apparemment, nous ont diffusé dernièrement un message, mais c'est un texte qui leur a été donné par l'APS, donc il y a des mensonges là-haut. C'est pas du vrai, donc c'est pour ça qu'on est venu ici, pour leur éclaircir un petit peu ce qui se passe, la réalité d'Ina, parce qu'il y a vraiment des crimes, il y a une tentative de génocide. Donc c'est ça, regardez, vous n'avez pas de problème, la réalité des choses, ils traitent les militants pacifiques démocrates de terroristes. Et également, on leur a aussi expliqué qu'il y a un plan zéro Kabyle qu'ils ont mis sur place pour faire leur. C'est pour, dans le fond, c'est pour leur but, c'est d'exterminer la population kabyle, c'est ça. Donc, je suis venu à Rabinia. Je suis venu à Wissah. Il est midi à l'Ouragui. Azoul. Bon, je suis venu à Buenos Aires. Nous sommes venus à Radio Canada, qui est une maison de Radio Canada. Et nous sommes venus à l'Ilaq. Ils doivent faire attention, mais ils reçoivent un communiqué du gouvernement algérien. Ils doivent le vérifier avant de le publier. Un communiqué le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie comme étant un mouvement terroriste, où ils l'ont publié sans vérifier. Ils veulent les induire en erreur et induire la population canadienne dans l'erreur. Donc ce n'est pas honnête et ce n'est pas professionnel de la part d'un média aussi lourd que la télévision de Radio Canada. Donc voilà, c'est ça. Et puis il y a une nouvelle, c'est que Smir Widekinardagin, un droit de réponse. ورتيت ساعد انا راه مي تمسلت والقيمه راه فين خاطر واذا كنا نروح نشتكي عن لومبوتسمان دو راديو كندا يوكيني هذا عاود نسمو غلي دي لا ديسيزيون اكينسن ونستلم ذاك كنا تسمح سن يوكيني الدوال نستريريت الكومونيكي كيام دو غوفرنمون مافيو
et assassin algérien comme Hersef et Zairis. اخر هذاك تما غاشي باندو يوسد ونجمع كي قلنا داك ماشا كتزغم الا يتشكد فلاني نيزرين من المكان اي بودا ام ضح هو السنوي فنا ضحكو ام كي ضغى ضغط لي ديليكسيون تفغاني دا ديليكسيون دران تكني لاق الحال عندنا صح جو ماتوندي با دنا ولا دوزيام بلاص باسي تان تيريتوار كومام سوا ديزون خاطر تصل ليبرال تاس لي سيتويان دوريجين كراك قلان ديالنا دونك كش معني كاين يا خي تفهم مايد كاين يا قول كوا ما كانديداتور وي لونترفيو خدمة كاين يا باش بونس فوالا دونك سي اون فيكتوار نبوي لا دوزيام بلاص سي با مال اون دوزيام بلاص بلوس دو 11000 فوا دونك لا دوزيام بلاص اي نوزون فيليسيتي اون ميم تان كو بعد دري رومارسيا كو قد عرف كاين ان كو دما قد خدم لافيشاج قد يدبوا لنا السيناتور وقد مسكين ياك اتان خدمات دي فيسبوك شي بارطاج على راسها خدمات هكا ياك دي تيكي 5 كي تاون ما دونك سي فيكتوار اي بي فوالا ورا لو مو تيرورست ني سي جوست بور دير فو با تومبي دون البياج لو دومينون جينيرال سي سون لي ميثود كي ليتيليز بور ان اسيس كونتر ديسكريدي كي لو دوميني سورتو سي دوميني لو تيرون جينورمالمون Alors, soit c'est le racisme, soit c'est le terrorisme, etc. Voilà les thèmes qu'il utilise. Il ne faut pas tomber dans le piège. Let's go!